Venez ici, vous là.
Il te touche. Il te touche. Quand il sait quelque part venir. Et quand les célibats, ils t'ont donné un nom.
Dieu guérit ce mal.
J'avais un problème de tension. Dieu guérit cela. Au nom de Jésus, ton miracle est dans ton corps. Maintenant, reçois ton miracle. Regarde. Le miracle de Jésus. Dieu te guérit. Quelque chose se passe dans ta vie. Le miracle de Jésus. Regarde. J'avais mal au sein. Je guéris. Oh, il y a un homme. Ton sein est malade. Oh,
Thank you.
Ici, la fille. Patricia. Oui. Bon, Benny. Patricia. Thank you.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais... Vous savez, Jésus a demandé à Pierre, quand Jésus a vu Pierre sur l'eau, Jésus a demandé à Pierre, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche. Mais arrivé à un moment donné, quand Pierre imaginait que c'était l'eau, il s'enfonçait. Donc, dans le principe du miracle, quand tu penses que ta maladie, c'est une maladie dont tu ne peux pas t'en défaire, tu perds le déséquilibre. Parce que la foi, la Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance de choses promises. Est-ce que c'est ça le principe de la Bible? La foi se démontre. Lorsque tu penses que tu ne peux pas, c'est fini. Parce que Jésus a dit, que cela soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Si tu penses que quand tu perds, c'est comme ça tout à l'heure. Mais c'est fini le miracle. Et puis arrive dans la vie, c'est pas, c'est fini. Vous allez la voir d'ici deux jours. Elle va commencer à tout en marcher. Ok, amen. Il y avait une dame qui ne marchait pas totalement, elle arrivait, elle a commencé à marcher. Il y a donc une autre femme qui est venue aussi. Il y en a plusieurs personnes. Ça a commencé, c'est un processus de miracle. Oui. Et c'est fini. C'est ça qu'il faut avoir la foi. Et la foi, c'est le monde. Viens le Seigneur. Oh, le Seigneur. Ne dites rien. Ne dites rien dans ce que j'ai fait. S'il parle, moi, il est dit d'annuler.